Ladies and gentlemen, you are all welcome to game day 3 for the Elite 16 Road to Bar Division West. We are about to witness the second to the last game for Group B, opposing First Le Rabat from Morocco and Seydou Legacy Athletic Club from Guinea. Slack presents number 0, Alseni Barley. Number 1, Zay Hurst. Number 3, Paul Bangoa. Number 4, Amadou Thiam. Number 6, and team captain, Alseni Bar. Number 7, Soriba Sila. Number 12, Aboubakar Sompare. Number 19, Aoudou Girani. Number 21, Ibrahima Dumbuya. Number 25, Kwaku Amuzu. Number 41, Marcus Emmanuel Kubwe. Number 45, Nissan Zuzwa. Head coach, Paolo Davide Bovia, assistant.
Ustad Mamadi Dian. Introducing first the rabbi from Morocco, number one, Devontae Jordan, number three, Ayub Nuri, number five, Abdelkarim El Hawa, number six, Hawad Dari, number seven, Anas Zeglou, number eight, Sofiane Benny, number 11, team captain, Abdel Hakim Suita, number 15, Fadiala Diara, number 17, the Prince Ifani Chison Orisu, number 24, Winston Shepard, number 32, Badr Edin Azuga, number 55, Yassin Lira, head coach Saeed El Mouzidi, assistant coach Ahmed Salam. Officiating the referees for this encounter, Luchi DJ Yaga from Rwanda, Ahmed Umpire 1, Ahmed Khalil from Egypt, Umpire 2, DJ Shema Shuti from Rwanda. Technical delegate for this encounter, Engeno Michel from Cameroon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour cette troisième journée de l'élite 16 de la Road to BAL pour ce match qui va opposer le Slack de Guinée au FUS de Rabat. Le FUS de Rabat qui est sur deux victoires en autant de matchs. Quant au c'est totalement l'inverse, totalement le contraire. Le Slack qui a perdu contre Bangui Sporting Club 88 à 79, qui a perdu contre l'ABC hier 98 à 70 et qui aimerait sortir de cette compétition avec une victoire. Cette équipe du Slack à laquelle il manque quand même quelques joueurs qu'on a connus par le passé, notamment un joueur comme Den Miller, Yushi Iriogu, Ibrahim Khalil Fofana, et puis cette équipe qui n'a pas son coach, qui n'a plus en tout cas son coach Zeljko Zecevic, qui est parti du côté de l'AS Salé. Du côté du FUS de Rabat, on a une équipe assez complète, assez expérimentée, qui en plus s'est enrichie. C'est enrichi du meilleur défenseur de la saison 3 de la BAL, le Malien Aliou Diarra. Aliou Diarra, gros défenseur, gros rebondeur, gros contreur. Aliou Diarra qui a eu un été assez chargé. Il a fait le training camp des Milwaukee Bucks. Aliou Diarra qui jouait l'année dernière au Stade Malien. Stade Malien d'ailleurs qui ne participe pas à cette édition. Et c'est bien dommage. Le fils de Rabat shoot à 60%, c'est une des équipes en tout cas les plus à droite de ce tournoi. 34% de réussite à 3 points. Le bémol, le hic, ce sont les lancers francs. Une équipe qui a une raquette assez bien fournie, hein, avec Prince Orizou qu'on connaît, qui est une connaissance de la BAL, avec Diarra dont je parlais aussi. Et puis Badreddine Azouga, un ancien de l'AS Salé, qui est du côté du fils de Rabat cette année. Sans oublier Abdelhakim Zouita, joueur pétri de talent, malgré ses 37 ans, une grosse expérience et un gros QI basket. Voilà les protégés de Pablo Povia, le coach Paolo Povia, le coach guinéen, qui ont décidé de jouer crânement leur chance sans se laisser dicter quoi que ce soit par les émotions. Dans quelques instants donc, le premier match de cette journée va partir. Il sera suivi du match entre le Basket Club Virunga de la RDC qui sera opposé au Al Ahly de Benghazi en Libye. Et puis le troisième match de la soirée, le choc entre l'ABC, l'Abidjan Basket Club Fighters et le Bangui Sporting Club. Ce match est arbitré par Monsieur Didier Gaga, le crew chief, qui sera assisté de Didier Chemanchouti et de Monsieur Ahmed Kedre. Voilà, dans quelques instants donc, ce match va partir. Premier match de cette troisième journée de la Road to BAL Elite 16. Début de la rencontre. Thank you.
cette équipe du SLAC hein, qui s'est renforcée avec l'international ivoirien Nisré Zouzoua, un combo guard arrière-ailier capable de réussir quelques cartons à 3 points. Mais je l'ai dit, cette équipe est sur des défaites et veut finir de la façon la plus honorable en tout cas qui soit. Sénégalais Maodo Guiran du SLAC qui va avoir un rôle importantissime dans ce match avec ses 2m19 qui va essayer de bousculer cette raquette marocaine parce qu'en termes de taille, il y a du potentiel côté marocain. Zaid Hurst qui commence pour les Guinéens, Ibrahim Adoumia, et puis le 5 habituel côté FUS. Et c'est parti, c'est le tip-off de ce match. Et ce sont les Guinéens, tout de suite défense homme à homme, côté marocain. On va faire travailler sur la périphérie Gilbert. Nisré Zouzoua qui punch. Maodo Guiran. Le tir de Maodo Guiran sera court. Rebond marocain. On va relancer. Orizou. Travaille sur la périphérie. Beaucoup de main à main entre El Awa et Kawi. C'est Kawi qui va chercher dans la peinture Orizou. La bonne lecture défensive de Hurst. Voilà, on va calmer le jeu, mettre en place un système. Hurst qui va travailler en isolation. Attention à la fin de possession et la bonne défense marocaine. C'est un ballon perdu. La contre-attaque guinéenne. La bonne lecture défensive de Nisré Zouzoua. Et le ballon qui va sortir en touche pour le FUS Rabat. Remise en jeu, ligne de fond. La cascade d'écran, le tir à 3 points. Et ça, c'est très très bien fait. Le premier tir de cette rencontre. Premier panier inscrit par Yacine Bahiri pour le FUS Rabat. On se retourne en Nisré Zouzoua qui sera court. Prince Orizou pour le rebond. El Awa. Oh, ça c'est bien fait, Kawa. Ayoub Noui, très très bien fait. Le crossover. Et qui va inscrire ce nouveau panier. 5-0. Attention à cette passe, un peu difficile. Hurst à 3 points. Voilà, Hurst qui va répondre tout de suite. Ouais, il est allé un tout petit peu à l'aventure là. Ayoub Noui, rebond guinéen. Travail Hurst. Nisré Zouzoua, 3 points. Attention, Nisré Zouzoua, on sait que c'est un shooter en série capable de réussir de très très belles séquences à 3 points. Maïri, Badreddine, Azouga. Et toujours le ballon marocain. La tentative de drive de El Awa. On rentrera pas. Hurst. Toujours pas. El Awa. Jeu un peu stéréotypé pour l'instant hein, de part et d'autre. Bahiri qui a cherché à l'intérieur Orizou. Interception pour le champion de Guinée. Et on revoit ce tir à longue distance de Nisré Zouzoua. Un tir dans le corner. Les appuis bien placés. Et ça fait filoche pour l'international ivoirien. Alors, on a du mal à se mettre d'accord là.
Finalement, le ballon sera pour les Guinéens dans les mains de Marcus Gilbert. Gilbert travaille avec Hurst. Hurst a bien défendu là par El Awa. Et ce sera une faute de El Awa. El Awa qui se plaint un tout petit peu d'un contact illégal, mais c'est lui qui est pénalisé pour cette faute. La remise en jeu, Gilbert à 3 points dans le corner. Ça ne rentre pas. Rebond, El Awa, la contre-attaque marocaine. Azouga, Bahiri à 3 points. En mid-range, pardon, en tête de raquette. 6 partout dans ce début de match. Allez, Maodo Guiran, Hurst, Nisrey Zouzoua, encore à 3 points. Cette fois-ci, ça ne rentrera pas. Rebond, Badreddine, Azouga, Bahiri sur le drive, le ballon qui ressort. Ça circule bien. Allez, Prince Orizou qui va provoquer la faute de Maodo Guiran. Prince Orizou sur sa tentative de tir. Qui va bien chercher les bras de Maodo Guiran et qui va faire un tour sur la ligne de réparation pour deux lancers francs. Premier lancer franc de Prince Orizou réussi. Deux sur deux pour Orizou. Hurst pour le slack. Gilbert. La belle fixation qui retrouve Hurst dans le corner. Ouais, ça c'est très bien construit. La belle fixation de Gilbert qui va rentrer dans la défense, attirer toute l'aide défensive et qui ressort le ballon à 3 points pour Hurst qui score. La réponse, Badreddine Azouga qui sera long. Le rebond pour les Guinéens. Doumbouya. Hurst. Alors, passage en force ou flopping. Ça sera faute offensive. Faute offensive commise par Hurst. Mais on va dire qu'elle a été très... très très bien vendu par El Awa, le meneur de poche du FUS Rabat. El Awa. Alors défense de zone là pour le slack. Bahiri, la fixation. La tentative de drive un peu précipitée de Dari. Hurst sur la relance, Gilbert à 3 points. La fin de tir, il se restitue, mais il sera court. Rebond Prince Orizou, ça joue vite. Côté marocain, Bahiri. Bahiri qui se stoppe à 3 points. Et bang, bang, bang. De la part de Yacine Bahiri. Il sera encore un tout petit peu court, Gilbert. Allez, on a décidé de passer la surmultipliée côté FUS. Yacine Bahiri, la position préférentielle. Badreddine Azouga avec Prince Orizou. Voilà l'échange low post, high post, le high-low. En l'occurrence, c'était un low-high entre Badreddine Azouga et Prince Orizou. Hurst qui va provoquer. Hurst qui va aller provoquer la faute de son défenseur d'Arib. Allez, de nouvelles rotations. Côté marocain. Équipe coachée par Saïd El Bouzidi, un coach qui a de la bouteille. Et Aliou Diarra qui entre en jeu.
meilleur défenseur de l'édition précédente, le Malien Aliou Diarra, ex-joueur du Stade Malien. Alors, pour la remise en jeu, Doumbouya, ça c'est pas mal fait. Il va retrouver Nisré Zouzoua, qui sera trop long. Et le ballon qui va sortir pour Jawad Darib et les Marocains. El Aoua, il va relancer Darib, Diarra, du jeu en mouvement. Ça c'est bien fait dans le corner. Et le tir de Darib, mais qui sera assez court. Zouzoua pour le slack. Zouzoua qui prend bien l'écran. Maodo Guirane, le hook shot ne rentre pas. Premier rebond d'Aliou Diarra qui se le fait piquer. Les bonnes mains de Maodo Guirane. Hurst qui se rapproche, ça ne rentre toujours pas. Et Darib pour le rebond, la relance pour le Fus Rabat. Allez, on va attendre tout le monde et collectivement remettre tout ça en place. Aliou Diarra, on a changé la paire d'intérieur. Winston Shepherd et Aliou Diarra sont sur le parquet. Darib qui va trouver Shepard qui se bloque, il ressort pour Darib à 3 points. Et oui, ça fait mouche. Le bel échange là entre Winston Shepherd et Darib Jawad pour un nouveau tir à 3 points. Et le Fus qui commence à prendre le large. Faute de Winston Shepherd sur cette tentative de drive de Maodo Guirane. Et c'est Alseniba qui va entrer côté guinéen, Alseni Baldé. Alseniba, lui aussi gros travailleur. Bon, ce tir de Hurst sera trop court. Les Marocains qui vont lancer. Shepard qui s'est fait scotcher par Maodo Guirane. Not in my house, il l'a dit. Nisré Zouzoua sur le drive, la petite passe à terre pour Alseniba. Très bien trouvé ça dans le périmètre. Le drive et la passe de Nisré Zouzoua pour Alseniba. Et le slack qui revient. Allez, on fait circuler Darib, Aliou Diarra. Les appuis joyeux. Et c'est un marché. Marché sifflé contre Aliou Diarra. On sait qu'il a souvent quelques petites difficultés de ce genre en termes de technicité. Mais ça reste un très très bon joueur, Aliou Diarra. Je le rappelle, meilleur défenseur de la saison écoulée quand il était joueur du Stade Malien. Sofiane Benmine est entré en jeu. Nisré Zouzoua pour le slack qui prend l'écran. Il va renverser Hurst qui fixe. Ouais, ça c'est très très bien fait. La belle fixation de Hurst après la passe de Nisré Zouzoua et Marcus Gilbert qui est décalé dans le corner, qui plante cette banderie là à 3 points. Et le slack qui revient à 5 points. Allez, Sofiane Benmine, Bahiri, ça va être court. Le rebond, Maodo Guirane commence une belle moisson au rebond. Attention de ne pas perdre ce ballon, Hurst. Il l'a joué un peu filou et finalement c'est lui qui va obtenir cette remise en jeu. Ce sera le premier temps mort de cette rencontre. Très bon début de match hein, des deux côtés, en tout cas les deux équipes qui se tiennent. On est parti très très fort avec cette équipe du Fus Rabat. Notamment avec Yacine Bahiri. Nouveau tir à 3 points là de Jawad Darib. Et puis progressivement, le slack est revenu dans la partie. La belle passe de Zouzoua pour Alseniba. Et on a vu aussi ce tir à 3 points dans le corner. Des tirs à 3 points dans le corner de Nisré Zouzoua et de Marcus Gilbert, qui permet donc au slack de rester dans la partie.
Début de match assez plaisant des deux côtés. 19-14 en faveur du champion marocain, le FUS Rabat, qui contient en son sein hein, quelques lauréats de la dernière édition de l'AfroCAN. Dans cette équipe, avec Zouita, Abdelhakim Zouita par exemple, Soufiane Benmine aussi qui était de la partie. Le Maroc qui a remporté l'AfroCAN il y a quelques mois, c'était en juillet, en Angola. Performance qui signe aussi le retour du Maroc, en tout cas sur la scène africaine. Remise en jeu, Slack. Zaidhurst. Allez, alignement sur cette remise en jeu pour décaler un shooter. C'est Maodo Giran. Giran le met à main avec Zaidhurst. Hurst bien défendu par Soufiane Benmine. Hurst qui va retrouver Giran. Attention à la fin de possession. Le skyhook de Giran qui ne rentre pas. Alseniba qui se bat justement. Mais le rebond sera marocain. Ouais, ça c'est bien fait. La transversale de Bahiri pour Benmine. Ça ne rentrera pas. Maodo Giran pour le rebond. Nisri Zouzoua qui relance pour le slack. La prise d'écran de Giran qui se couvre bien. Alseniba. Dos au panier. Alseniba en se retournant. Qui va aller provoquer la faute de Shepard, Winston Shepard, et de lancer franc à suivre pour Alseniba. Deuxième faute du 24. Deuxième faute personnelle de Winston Shepard, de lancer à suivre pour Alseniba. Alors, faut bien se rhabiller, Monsieur Diarra, le maillot bien dans le short. Et ça va partir, premier lancé franc d'Alseniba. Allez, 19-15, premier lancé franc réussi pour Alseniba. Un sur deux pour bas et le rebond pour Soufiane Benmine. Soufiane Benmine qui a annoncé le schéma. Écran tête de raquette de Diaral. Yacine Bahiri. Benmine qui va circuler ligne de fond. Faute sur un départ en dribble. Alors. Un petit problème de communication, c'est une faute offensive sur un écran. Faute de Jawad Darib, faute offensive sur la pose d'écran. Et c'est un ballon perdu pour le champion du Maroc. Soufiane Benmine hein, qui est déjà au collé là, au basque de Hurst. On sait que c'est un dur au mal, hein, Soufiane Benmine, grosse expérience, gros caractère. Soufiane Benmine, international marocain. Et belle séquence défensive de Soufiane Benmine pour clore ce premier carton en faveur du FUS Rabat, 19-15. Assez équilibré comme carton. On était parti sur de très bonnes bases et puis le jeu qui s'est un peu stéréotypé. Mais on va le dire, hein, c'est au slack de faire le maximum. Le slack est sur deux défaites. Nous, on revient dans un instant. Thank you.
15 dans ce premier carton entre le FUS Rabat et le Slack de Guinée. Pour l'instant, en tout cas, deux équipes qui se tiennent. On voit un jeu beaucoup plus collectif, on va dire, beaucoup plus mêlé côté, côté FUS et puis du côté du Slack de Guinée. Pas mal d'exploits individuels. On a vu un très très bon Yacine Bahiri côté FUS avec 5 points. Et puis la réponse côté Slack, Zaïd Hurst avec 6 points. La dragée. Allez, ça va repartir d'un instant à l'autre. Le FUS est dans ses standards. Hein. 50% de réussite à 2 points. Et 50% à 3 points, 3 sur 6. Ce qui est quand même très, très intéressant. Allez, ça va repartir. Remise en jeu pour le FUS. Allez, Darib, Benmin, et c'est reparti. Benmin, Darib, c'est surtout le ballon, Bahiri, l'écran. Je sais pas, ça circule bien dans le corner. Et ça fait filoche tout de suite. Le ballon qui circule bien, qui arrive dans le corner pour Darib, qui tout de suite sanctionne à 3 points. Très beau début de deuxième carton de la part des Marocains. Ça c'est une faute bien provoquée. Attention Darib, c'est la deuxième faute. Misrei Zouzoua. Modo Mirani. Misrei Zouzoua face à Nikara. Ils sont dans le corner, on n'est pas s'enfermer. C'est un tir très très compliqué. Le rebond. Le rebond n'est pas sécurisé par Bahiri. Et c'est une remise ligne de fond pour Misrei Zouzoua. La petite combinaison, c'est Maodon Giran qui va aider, Misrei Zouzoua, l'extension difficile, Winston Shepard, et faute largement évitable là de Zaïd Hurst, qui devrait en tout cas éviter ce genre de faute, hein, lui qui est notre joueur majeur de cette équipe du Slack de Guinée. Benmin, Bahiri. Et l'écran. Bahiri, Yacine Bahiri à 3 points. Il sera court. Rebond. Maodo Giran. Zaïd Hurst. Zaïd Hurst toujours dans son duel avec Sofiane Benmin. Gilbert. Gilbert, la fin de tir. Le départ en drive. Il se stoppe. Le pull-up. Ça, c'est très bien fait techniquement. La fin de tir. Le départ. Le stop et pull-up derrière de la part de Gilbert. Et le Slack qui est toujours dans la partie. Ballon FUS. Sofiane Benmin. Et ça c'était une passe très très difficile. L'intervention de Maodo Giran. Misrei Zouzoua. La passe dans le dos. Zaïd Hurst qui va trouver Gilbert. Gilbert qui se lève à 3 points. On ne rentrera pas. Winston Shepard qui monte le ballon tout seul sur les grands. Darib pour calmer tout ça. Shepard Yara qui demande le ballon, il ne le recevra pas. Shepard qui est parti tout seul, il ne trouvera pas l'Amir. Zaïd Hurst sur la remontée de balle. Seniba qui avait coupé mais qui n'est pas trouvé. Et c'est Zaïd Hurst, le bank shot avec le plexiglas. Et regardez cette équipe du Slack qui est revenue à 3 points du FUS Rabat. Winston Shepard. Darib, Benmin, Shepard en tête de raquette. Darib à 3 points. On ne rentrera pas. Rebond Al-Seliba pour le Slack. Un ballon pour égaliser ou pour se rapprocher davantage.
pour le champion de Guinée, Zaïd Earls, qui va intelligemment provoquer la faute de Sofiane Benmine. Saïd El Bouzidi qui va rameuter un peu la cavalerie. Parce que sa second unit, qui pour l'instant en tout cas n'est pas très très probante. Le stack est revenu dans la partie. Les hommes de Povia. Povia, on le rappelle, hein, qui a été sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire en 2019, qu'il avait d'ailleurs accompagné à la Coupe du Monde. 44 ans, mais beaucoup beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, Paolo Povia. Et de part et d'autre, il va passer les consignes parce que il n'est pas content là de ce qu'il voit, en tout cas Saïd El Bouzidi. Allez, ça va repartir dans ce palais polyvalent des sports de Yaoundé. 22-19 en faveur du FUS Rabat, mais pour l'instant qui est gêné aux entournures en tout cas par cette équipe du SLAC. Et d'ailleurs, hein, El Bouzidi qui n'a pas tardé à faire revenir Prince Orizou, l'ancien joueur du Ferroviario da Beira. Allez, Nisré Zouzoua. Zouzoua, le step back, et ça va rentrer. C'est un tir à deux points. Et le SLAC qui revient sur les talons du FUS Rabat. 22-21 pour les Marocains. Et qui, pour l'instant, en tout cas, ont du mal à ordonnancer leur jeu. Sur cette zone guinéenne, ils se cassent un tout petit peu les dents. Et voilà, 3 secondes. Violation des 3 secondes de Prince Orizou. Cette 2-3 guinéenne modulable qui gêne aux entournures la circulation de balles des joueurs du FUS. Zaïd Hurst. Hurst qui va appeler l'écran. Parti sur un drive. Alseniba. Et la claquette derrière d'Alseniba. Et le slack qui passe devant. Voilà, on l'a dit, hein, cette équipe du SLAC qui joue sans complexe, qui se donne les moyens en tout cas de remporter ce match, même si elle en a déjà perdu deux, c'est un match à gagner. Allez, Sofiane Benmine à l'expérience, qui va chercher ce panier près du cercle là, sur la percussion. Et les Marocains qui repassent devant d'un point, 24-23. Nisré Zouzoua qui se stoppe à 3 points. Ça ne rentre pas. Regardez, Alseniba qui se bat. Contre-attaque marocaine. Bahiri, Orizou, Benmine. Benmine qui va à l'opposé de l'écran, qui va trouver Orizou. Orizou en force. Malgré la défense de Maodongiran, Prince Orizou qui va scorer avec sa belle main gauche. Pivot d'origine nigériane. Ancien joueur du Ferroviario da Beira, ballon perdu par Zaïd Hurst, la contre-attaque marocaine, ça ne rentrera pas. Mais à la rescousse, Soufiane Benmine qui vient aider son partenaire Nouy. Nouy qui l'avait joué un peu à la cool. Allez, Nisré Zouzoua, le dribble dans le dos. La défense pot de colle de Sofiane Benmine. Zouzoua qui est contré par Azouga. Attention, les Marocains qui ont décidé de passer la surmultipliée. Transition offensive. Orizou pas loin de perdre ce ballon, mais qui sera récupéré par Dari. Benmine qui replace. Darib qui se décale. Benmine, la feinte. Benmine. Le teardrop qui ne rentrera pas. Alseniba qui fait un très très bon passage en tout cas. Alseniba, on l'a dit, c'est un très très vaillant joueur. Alseniba. Allez, le ghost screen là de Maodongiran. Mais
Hurst ne va pas en bénéficier. Ben Min qui va décaler. Et très très bonne défense. Très très bonne défense là de Zahid Hurst qui, après la passe de Sofiane Ben Min, est resté dans sa trajectoire pour occasionner ce passage en force. Alors, Al-Seliba qui va souffler un peu après un très très bon passage et retour en jeu de Marcus Gilbert. Zahid Hurst, l'écran de Gilbert. Hurst, Ben Min, toujours ce duel. Gilbert à 3 points et ça rentre. 28-26, le slack est toujours au basque hein, du Fus Rabat. Faut croire que les Marocains jouent ce match avec toute la conviction qu'il faut. Darib, la petite passe. Orizou qui va ressortir. Darib à 3 points en fin de possession. Et c'est Gilbert qui va remonter le ballon en faveur du slack. Ngiran, Gilbert, la passe dans la peinture. Il a fait ce qu'il fallait, Kwaku Amouzou, mais il n'y a pas la réussite au bout. Et les mains qui fuient pour Prince Orizou. Nouveau ballon perdu par les Marocains. Ça commence à faire beaucoup. Déjà 7 ballons perdus pour les joueurs du FUS. Marcus Gilbert. Gilbert. Alors, c'est une faute sifflée contre Ayoub Nouy. Abdelkarim Lawa. Gilbert. Hurst. Dans son duel dos au panier avec Elawa. Duel emporté par Zahid Hurst. Et le slack qui est devant. 31-28. Et toujours cette zone de 3. Élargie aux entournures. Voilà, ça c'est bien trouvé. Badreddin Azouga. Attention, il y avait peut-être un goaltending qui n'a pas été vu. C'est tant mieux pour l'équipe du FUS. Gilbert. Amouzou qui va s'empêtrer dans la défense marocaine et qui va perdre le ballon surtout. C'est un marché. Marché contre Amouzou. Allez, Mohamed Anas est entré en jeu côté FUS Rabat. Bahiri, Anas justement. Oui, le tir à 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond, Orizou qui va décaler. Badreddin Azouga, 3 points. Et cette fois-ci, il fait bouche Badreddin Azouga. L'ancien joueur de l'AS Salé qui, on s'en souvient, s'était blessé lors de la saison 2. Zahid Hurst, dans ses œuvres, qui va trouver Gilbert. Gilbert qui a l'horloge de la possession en face de lui et qui va bien l'utiliser. Rebond bien suivi, très très bien fait. Très très bien suivi là par Doumbia, rebond offensif plus panier. Le slack qui ne lâche rien. Attention cette passe, bien sauvée
Arbaïri. Ballon qui va ressortir. Nouy. Et la belle séquence défensive. Attention derrière, faut pas perdre ce ballon. Maodongiran. Et tranquillement, on va monter le ballon. Alors, que s'est-il passé ? On revoit ce joli panier, ce rebond de Doumbouya. Allez, petit arrêt de jeu. C'est Amouzou Jacques qui va céder sa place. Amadou Thiam, côté slack. Remplacement demandé. Remplacement. On a du mal à s'accorder les violons. Voilà, cette fois-ci, c'est fait. Allez, c'est Thiam qui est entré en jeu. À la place de... Oh, une perte de balle largement évitable, incompréhension. Une incompréhension là entre Gilbert et Maodongiran. Et c'est un temps mort pour le FUS Rabat. Saïd El Bouzidi n'aime pas ce qu'il voit, il a envie de relancer un tout petit peu les choses. Mais en tout cas, c'est une équipe du SLAC qui fait plaisir, qui joue sans complexe, nonobstant les deux défaites initiales. FUS Rabat qui a du mal avec les pertes de balles, 8 ballons perdus déjà contre 5 pour le SLAC. Le SLAC qui est très très bon en termes de rebonds. 16 rebonds collectifs. Alors, faut dire que côté FUS Rabat, certains joueurs ne sont pas encore entrés en jeu. Hein. Jonathan Jordan n'est pas entré en jeu. Zouita non plus. Ceci explique peut-être cela. Allez, ça va repartir d'un instant à l'autre. 33-30, 30 en faveur du FUS Rabat dans ce deuxième carton. Pas loin de s'achever là. Les dernières consignes du coach Paolo Povia à ses joueurs. Demander une belle séquence défensive. Côté FUS, on va essayer de scorer justement. Essayer de repartir à la pause avec une avance un peu plus consistante. Sofiane Benmine. Le switch défensif est réussi avec Maodongiran. Yacine Baheri. Darib, la fixation d'Arib qui va manquer les manquables. Thiam, attention, il faut lui parler. Et Thiam qui va perdre... Oh non, c'est une faute. C'est une faute sifflée contre Sofiane Benmine. Qui prétend avoir joué le ballon. Ce qui n'est pas de l'avis de Monsieur Didier Gaga, l'arbitre. Non seulement il commet sa troisième faute Benmine, mais il va permettre au SLAC en tout cas de bénéficier de deux lancers francs. Le SLAC étant dans le bonus. Et c'est Amadou Thiam qui a la responsabilité de ramener son équipe à une seule longueur avant la mi-temps. Le premier lancer franc, en tout cas, il est réussi. Il va rester un peu moins de 8 secondes sur la prochaine possession. Amadou Thiam. 1 sur 2, le rebond. Amouzou Jacques, ça c'est bien fait. Et une nouvelle faute.
Nouvelle faute en faveur du Slack de Guinée qui montre en tout cas des attitudes de bagarre. Et c'est Zegloul là. Zegloul qui commet la faute sur Marcus Gilbert qui lui à son tour va avoir deux lancers. Sortie du 6, Anari, entrée du 15, Ziara Aliou. Le premier lancer franc manqué. En tout cas, il avait deux lancers pour égaliser. Le premier est manqué. Deuxième lancer franc, Marcus Gilbert. 1 sur 2. Allez, le Slack qui réussit à recoller à la mi-temps. 32 à 31. 32 à 33 en faveur des Fus de Rabat. Le Slack de Guinée qui en tout cas a joué cette première mi-temps sans complexe, qui a contesté le jeu offensif du champion du Maroc, le Fus Rabat. Slack de Guinée qui a globalement shooté de façon très intéressante. Hein. 38% de réussite à 3 points, mais surtout une grosse activité défensive. 5 ballons perdus. Et ce passage en zone 2-3 qui a gêné aux entournures la circulation de balles des Marocains. N'ont pas trouvé la solution sur cette défense de zone que leur a imposé l'équipe du Slack. Mais on a aussi cette impression que le Fus Rabat a abordé ce match un peu en excès de confiance et qui se fait surprendre. Mais on sait que généralement, quand vous sous-estimez une équipe, quand cette équipe-là reprend confiance, ça peut être compliqué. En tout cas, on va s'arrêter là pour cette première mi-temps, 33 à 32 dans ce palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'est le premier match.
tous rabat 33, Slack, Guinée 32 dans un match qui pour l'instant est un match très accroché, on va dire grâce au premier. Un très très bon match avec un leader Zaid Hurst, auteur de 10 points, bien aidé par Marcus Gilbert avec ses 9 points. On a une équipe du Slack qui shoot à quasiment 39% de réussite à 3 points, ce qui est tout à fait remarquable. Et le Slack qui ne laisse pas sa part aux chiens, comme on dit, hein, sur tout ce qui est rebond. Côté marocain, on n'a pas vu Aliou Diarra qui a scoré 0 points, il n'a pris aucun rebond. Et qui a commis une faute. En revanche, chez les Marocains, Jawad Darib est à 9 points. Yacine Bahiri, 7 points. Mais globalement, comme je le disais, on a l'impression que cette équipe du FUS Rabat gère un peu ce troisième match parce qu'on n'a pas vu entrer quelques joueurs majeurs, hein, Jonathan Jordan. Qui n'est pas entré en jeu, Abdelhakim Zouita qui n'est pas entré en jeu, et puis quelques leaders qui n'ont pas joué non plus suffisamment de minutes. Attention non plus à ne pas sous-estimer l'adversaire au risque de se laisser surprendre. Cette seconde mi-temps va repartir, le troisième carton qui va repartir. Ils sont là déjà, nos trois arbitres, Monsieur Gaga, Monsieur Nchouti du Rwanda et Monsieur Ahmed Kaedra d'Égypte, qui vont lancer donc ce troisième carton. En tout cas, le Slack qui joue sans pression, mais surtout qui ne se laisse pas faire. Alors, que va nous donner ce troisième carton? Les hommes du coach El Bouzidi vont-ils rehausser un peu leur niveau de jeu et surtout leur niveau d'exigence, parce que on n'a pas vraiment cette impression de voir cette équipe du FUS forcer quoi que ce soit, mais en revanche le Slack est admirable de courage, une équipe qui ne se fait aucun complexe et qui joue avec les moyens qu'elle a et qui est en train justement de donner du fil à retordre aux champions du Maroc. Allez, ça va repartir. Remise en jeu, Ibrahima Doumia côté Slack. Zaid Hurst toujours dans son duel avec Soufiane Benmine. Et c'est Hurst. Marocain toujours en défense homme. Marcus Gilbert. Le cut de Nisri Zouzoua, bien lu par la défense marocaine. Et c'est un premier panier de Nouy sur cette belle séquence défensive, et Ayoub Nouy qui va scorer pour donner 3 points d'avance au FUS Rabat. Attention à ce coup de décollé de Zaid Hurst. Zaid Hurst tout seul comme un grand qui va réduire l'écart. Et qui va même donner l'égalité, hein, 35 partout. On l'a dit, hein, le Slack qui, voilà, qui joue sans complexe et qui est toujours dans sa zone 2-3 sur laquelle les Marocains ont du mal à trouver la solution. Ah, et ça c'est une très belle passe à l'intérieur. Enfin, Aliou Diarra qui se signale. La belle passe en tête de raquette. On sait que c'est une des faiblesses, hein, de cette défense de zone. Marcus Gilbert, le ballon dans le corner, la tentative de passe aveugle là de Doumouya. Finalement, ils s'en sortent bien, les Guinéens. Et nouvelle égalité dans ce match. Darib, Nouy,
Benmin appelle l'écran. Dazuga, Benmin qui va sortir le ballon. Darib en ligne de fond. Bonne défense là. Des joueurs du Slack. Nouy qui va se lever. Il est court. Rebond. Maodongiran. Un ballon pour passer devant pour les Guinéens. Zaid Hurst. Hurst qui va scorer. Et les Guinéens qui passent devant. Le plus logiquement du monde. En tout cas, eux, ils en veulent plus. Ils veulent plus de cette victoire. Allez, on fait circuler. Voilà, la même que tout à l'heure. La relation entre les deux postes bas. Le tir de Darib est trop court. Il va essayer de sauver ce ballon, mais il n'y arrive pas. Le Fus qui balbutie vraiment son ballon. Amadou Thiam qui va rentrer à la place de Zaid Hurst. Qui sort, à mon avis, un peu trop tôt. J'espère qu'il n'est pas touché. Je le surveille du coin de l'œil. Il se touche l'arrière de la cuisse. Espérons pour le Slack et pour lui que ce n'est pas trop grave. Petit étirement de tête au niveau de la cuisse. Marcus Gilbert. Gilbert, Maodon Giran. Giran, défendu par Azuga. Giran qui se lève. Et trop lent. Le rebond, Nouy. Benmin. Darib. Azuga. Qui fixe. Darib. Diarra. Diarra. Il va ressortir. Allez, on a décidé de retravailler. Essayer d'amener cette possession à son terme. Et c'est un layup. Cette no-look pass entre Sofiane Benmin et Aliou Diarra. Regardez le drive et derrière. Voilà, Maodo Giran qui est entraîné vers l'aide défensive et qui va oublier dans son dos Aliou Diarra pour cet alley-oop. Rebond. Rebond Fus. Darib. Azuga. En fin de transition. Les Marocains qui ont un temps soit peu décidé d'accélérer un peu le tempo là, de ce match. Parce qu'il est clair que la zone 2-3 des Guinéens les endort. Doumbouya, Ngiran, trop court cette fois-ci. Et regardez, ça va repartir. Benmin. Benmin qui confond vitesse et précipitation. Et c'est un nouveau ballon perdu par les Marocains. Et c'est le 9e. 9e turnover. Misré Zouzoua pour le Slack. Marcus Gilbert. L'écran de Maodong Giran qui va se positionner dans la raquette. Marcus Gilbert face à Aliou Diarra. Amadou Thiam dans le corner qui va se lever. Ça ne rentrera pas. Rebond. Aliou Diarra. Diarra. Nouy. Nouy qui va driver tout seul. Le boulevard exploité hein, complètement par Nouy. Aucune défense. Ayoub Nouy en a profité. Marcus Shepard. Attention de ne pas perdre ce ballon. Le switch demandé, le switch est réussi. Shepard qui se lève devant Diarra. Et bang, bang, bang. Marcus Shepard. Le Slack ne s'en laisse pas compter. Et ça fait plaisir à voir. Benmin, Darib, Nouy, Benmin. On essaye de faire circuler le ballon pour désorganiser un tout petit peu cette zone. La belle fixation, oui. La belle fixation là de Ayoub Nouy. Et le dunk derrière de Diarra. Et Diarra qui va commettre une faute. Voilà, ça c'est un de ses problèmes. On va revoir hein, la belle fixation et la passe à terre dans le bon timing pour Aliou Diarra qui dunk. Mais derrière, Diarra commet une faute. Alors, Zaid Hurst est revenu en jeu. On espère que tout va bien pour lui, tout va mieux pour lui. En tout cas, le Slack en a grand besoin. Marcus Shepard. Oh,
Ouais, le ballon qui ressort bien, Zeidhurst justement, qui va signaler son retour en jeu par ce tir à 3 points. Et nouvelle parité au score. Sofiane Benmin qui cherche l'ouverture, les bonnes mains défensives de Maud Ongiran. Mais le ballon sera pour le FUS Rabat. Sorti. Première faute du 45, Zouzois. Ah, c'est même une faute qui a été sifflée contre Nisré Zouzois, qui n'est pas d'accord, qui va parlementer un tout petit peu. Mais bon, si ça permettait de revenir sur les fautes, ça se saurait. Et de lancer à suivre, du coup, pour Sofiane Benmin, l'international marocain. Premier lancer manqué par Benmin. Deuxième lancer à suivre. Allez, 1 sur 2 pour Sofiane Benmin. Sorti du 8, Benmin. C'est justement Benmin qui va céder sa place. Et c'est El Hawa qui revient en jeu. On a déjà subi 8 changements de leader dans ce match, avec quasiment 5 égalités au score. Attention, ne pas perdre ce ballon. Les Marocains, le tir. Ouh, il est très très court ce tir de Darib là. Très très court. Il s'en excuse auprès de son banc de touche. Un petit point d'avance, 46-45 pour le FUS Rabat. Zeidhurst défendu par Darib. Remplacement de Darib, sorti du 6. Jawad Darib d'ailleurs qui va sortir. 57. Et retour en jeu de Yacine Bahiri. Gilbert entre pas. Le rebond de Doumouya. Le tir dans le corner de Nisré Zouzoua. 45, Zouzoua. Nisré Zouzoua qui convertit toutes les opportunités. Le tir à 3 points qu'il obtient. Allez, on va travailler cette zone. Ça, c'est pas mal, la circulation de balle. Et Nouy, très bien fait. La défense guinéenne, cette fois-ci, est restée un poil statique. Et Nouy a pu en profiter. Zeidhurst, dos au panier face à Bahiri. Il s'est fait de la place, Zeidhurst, qui va scorer. En 1 contre 1, il est quasiment injouable, Zeidhurst, qui arrive à se créer de la place. El Hawa, Bahiri, et c'est une faute de Doumouya. Doumouya qui n'a pas pu freiner son élan. Première faute du 21. Les équipes en placement. Le slack est devant, en tout cas, 50 à 48. Doumouya après du 6, bas, slack. Al-Seniba, le guerrier, le warrior, qui est revenu en jeu. Entrée du 24, Chita. El Hawa, Bahiri, El Hawa, qui va driver, qui va fixer. La bonne défense derrière de Gilbert. Mais Maud Ongiran est pénalisé. Première faute du 6. Première faute du 6. Ah, la faute a été attribuée à Al-Seniba. Maud Ongiran va s'en tirer un peu mieux. Allez, Winston Shepard au lancer franc. Premier lancer franc manqué. Il
Deuxième lancé à suivre, Winston Shepherd. 0 sur 2. Allez, remonte. Zouzoua, la bonne passe pour Guingueran qui va aller provoquer la faute de Shepherd. La bonne prise d'écran de Nisré Zouzoua et puis la très bonne lecture de jeu du même Zouzoua qui va trouver Maodo Guingueran sous l'arceau, ce qui lui permet d'obtenir de lancer franc. Et surtout, Maodo Guingueran qui occasionne, qui provoque la troisième faute de Winston Shepherd. Maintenant, les lancers francs, va falloir les convertir. International sénégalais qui a passé l'essentiel de sa carrière en Espagne, tout récemment encore joueur de Saragosse. Allez, 1 sur 2. Alors, toujours 7-2-3, élargi, modulable en 3-2, en fonction de la position du ballon. Voilà, les tirs sont contestés et belle séquence défensive du Slack. Le Slack qui impose le tempo de ce match. On sait que le FUS est une équipe qui aime jouer vite, qui aime jouer en transition. Et le Slack arrive à lui imposer son rythme de jeu. Allez, un peu gourmand la Zeidhurst. Il n'y a eu aucun échange de balles sur cette possession. Il faut rester dans les standards habituels, dans les standards collectifs. Il y a moyen de faire quelque chose sur ce match à condition de le jouer ensemble, de vouloir le gagner ensemble aussi. Orizu qui est revenu en jeu. Shepherd, Nui, Elawa qui fixe, Nui, Shepherd, Orizu. Baeri, Nui à 3 points. Ouais, cette action méritait peut-être un tout petit peu mieux, mais le Slack n'en demande pas mieux. Les Guinéens qui ont le ballon. On va essayer de travailler justement avec Gilbert. Gilbert, ballon qui ressort, Nisré Zouzoua, la petite fin de tir. Et le tir derrière, Nisré Zouzoua est en train à lui tout seul là de prendre feu dans ce match. L'international ivoirien qui plante une nouvelle banderille à 3 points. Nisré Zouzoua, 11 points dans ce match et surtout permet à son équipe de prendre 6 longueurs d'avance dans ce match. Première faute du 41. Marcus, votre équipe annoncée. Slack. D'abord, demandé. Alors, c'est une faute de Gilbert. De lancer. Et derrière, il me semble qu'il y a une technique. Lancé franc manqué là. Ce sont des signes qui ne trompent pas Yacine Baeri. Shoot très très court. Deuxième lancé à suivre. Yacine Baeri, 1 sur 2. C'est un moindre mal. Nisré Zouzoua. Nisré Zouzoua. Oh, c'est dommage. Cette tentative de putback là de Maodo Guingueran. Mais en tout cas, le Slack qui va remporter ce troisième carton et surtout qui est devant. Le Slack qui est devant. 2-6 points à la fin de ce troisième carton. Un troisième carton remporté 22-6 par les joueurs du Seydou Legacy Athletic Club de Guinée. Voilà, une équipe en tout cas qui n'a plus rien à gagner, qui n'a
pas grand chose à perdre non plus et qui justement joue son complexe, qui se fait plaisir, qui joue tous les coups à fond. Et cette équipe du Slack en tout cas fait plaisir. Et nous on revient dans un instant. Allez, on a décidé de retraire. De Guinée 54, Fus Rabat 49. Une équipe du Slack qui vraiment fait plaisir à voir. Et j'espère que ce match justement ne va pas laisser de regrets parce qu'on se dit qu'avec peut-être une meilleure préparation, cette équipe du Slack de Guinée aurait pu faire de meilleures performances dans cette Elite 16. Le Yaoundé, l'Université de Togo. Un match en tout cas dans lequel Nisré Zouzoua se fait plaisir avec 11 points. On a les 14 points de Marcus Gilbert et puis le chef Zahid Hurst, 20 points. Côté marocain, elle est plus ou moins repartie, mais aucun joueur pour l'instant en double digit, aucun joueur à 10 points au moins. Et ça va repartir. Dernier quart temps de ce match, El Awa. Il fixe la défense, qui va se lever à 3 points, ça ne rentre toujours pas. Rebond long, Nisré Zouzoua. Ah, il a la position préférentielle, là, Altseniba, mais il n'est pas servi. Nisré Zouzoua. Zouzoua, le step back à 3 points. Oh, here we go. Paul, step back, baby. Et derrière, Bahiri. Qui réduit un tant soit peu l'écart. Et Nisré Zouzoua, Gilbert et Hurst. Ce sont trois poisons dans cette équipe du Slack. C'est d'ailleurs Zouzoua qui a le ballon, défendu par El Awa. Oh, le flopping. Et Zouzoua qui va sanctionner. Deux points réussis. Et qui fait gonfler sa ligne de statistiques. Nisré et Zouzoua, l'international ivoirien. Qui est désormais à 14 points. Ouais, Shepard qui score pour le FUS. Alors, un petit problème de lacet pour Darib, il me semble. Alors, El Awa a été prévenu. La prochaine tentative de flopping, ça sera une faute technique. Il est prévenu. Allez, on va repartir. 9 secondes sur la possession. Remise en jeu Slack de Guinée. Remise en jeu va être effectuée par Marcus Gilbert. El Awa encore reprimandé par l'arbitre à cause de sa défense sur Nisré Zouzoua.
Et finalement, c'est Dariba qui va se charger du dossier Zouzoua. Voilà, on va essayer de couper Zouzoua du ballon. Mais de l'autre côté, on a Hurst. Même s'il est court cette fois-ci. Shepard, ben voilà, il n'y a personne, il va y aller tout seul. Et il ne va pas scorer. Baodon Guiran. Guiran en transition. Guiran. La belle contre-attaque du Slack de Guinée. Qui se termine bien avec ce panier de Maodong Guiran. Slack est devant, plus 8. Elawa. Ballon qui lui revient. Elawa. À 3 points, il n'est pas droit. Le rebond, Shepard. Shepard. Shepard qui va essayer de travailler ligne de fond. Alors, une faute qui est sifflée. C'est une faute offensive. Sifflé contre Winston Shepard, il me semble. Non, il n'y a pas de faute offensive. C'est la faute d'Alseniba. C'est une faute guinéenne. On va y arriver. Donc remise en jeu. Ligne de fond pour Bayri. Remise en jeu en faveur du FUS Rabat. Alors, pour qui sera ce ballon ? Bayri. On a trouvé Benmin. Benmin. Bayri dans le corner. Benmin qui va fixer la passe à terre. Orizou ne peut pas se saisir du ballon. Et le rebond bien sécurisé par Alseniba. Zaid Hurst qui va remonter tranquillement ce ballon pour le Slack de Guinée. Zaid Hurst défendu par Darib. Hurst. Zouzoua. Zouzoua qui appelle l'écran. Dengiran, le ghost screen et le tir. Zizre Nisre Killer Zouzoua. Nouveau tir à 3 points de Zouzoua qui va le mettre à 19 points dans ce match si je ne m'abuse. Orizou en force qui va obtenir de lancer franc. Ouais, c'est bien, bien 19 points pour Nisre Zouzoua. Qui est pour l'instant en tout cas en feu. Et la bonne nouvelle côté Slack, c'est que au fur et à mesure, chacun prend le lead dans le jeu. Quand ce n'est pas Gilbert, c'est Hurst. Quand ce n'est pas Hurst, c'est Zouzoua. Ce qui donne justement le tournis à cette défense marocaine qui ne sait pas vraiment par quel bout prendre l'attaque du Slack de Guinée. Et plus 11 pour le Slack de Guinée. Voilà, on l'a dit, qui joue avec ses armes, mais qui surtout joue sans complexe. Et ça fait énormément plaisir. Alors, quelles sont les solutions que va essayer d'apporter El Bouzidi à son équipe qui, pour l'instant, en tout cas, ne voit pas le jour. Alors, que va donner cette sortie de Tamor ?
déjà les deux lancers à suivre de Prince de Mizou. Maladroit, en échec sur son premier lancer franc. Prince Orizou, deuxième lancé franc à suivre. Il est manqué. Ah, oh, le rebond qui n'est pas capté par Maodongiran. Et remise en jeu pour Fus Rabat. Yacine Bahiri, Prince Orizou, Sofiane Benmine, Bahiri, ligne de fond. Ça ne rentre toujours pas. Bahiri qui prend son propre bond. Darib qui drive. Hésitation sur sa tentative de passe et c'est un ballon perdu. Un ballon que va remonter tranquillement le slack par l'entremise de Nisré Zouzoua. Oh, le joli cut! Très très belle passe de Zouzoua qui se sert de Ngiran en relais et Alseni Mba qui utilise le backdoor pour marquer ce tir en layback. Très très belle action, bien construite de la part des Guinéens. Sofiane Benmine qui ressort. Azouga, le step back. Il va rester court. Maodongiran, rebond. Cette équipe du SLA qui est souveraine au rebond dans cette seconde période. Nisré Zouzoua. Nisré Zouzoua, défendu par Sofiane Benmine, en se retournant. And one, avec la faute de Yacine Bahiri en prime. 21 points désormais pour Nisré Zouzoua. Faute largement évitable hein, de la part de Yacine Bahiri. Et le score qui ne cesse de grimper, plus 15 pour le SLAC de Guinée. Sorti du 32 entre du 15. Et en plus de très très bien joué offensivement, le SLAC de Guinée rivalise au rebond. 30 rebonds contre 31. 30 rebonds pour le SLAC contre 31 pour le FUS. Et l'action à 3 points de Nisré Zouzoua. Désormais 22 points pour l'international ivoirien. Plus 16 pour le SLAC de Guinée. 3,25 à jouer dans ce dernier carton. Sofiane Benmine, Darib à 3 points. Ça ne rentre pas. Prince Orizou au rebond. Orizou, voilà. Il va stopper un tout petit peu l'hémorragie. Mais il va en falloir plus pour cette équipe du FUS pour l'emporter. Attention Gilbert qui va perdre ce ballon. La contre-attaque, le 3 contre 2. Aliou Diarra qui va bénéficier de la faute de Marcus Gilbert. Et de lancer à suivre. On est plutôt à 4 minutes 44 de la fin. Deuxième faute du 41, Marcus Gilbert. Deuxième équipe, de lancer. Premier lancer franc, réussi par Aliou Diarra, le transfuge du Stade malien qui, cette saison, a signé au FUS Rabat et qui revient du championnat arabe à Doha où il a été très bon. Championnat arabe des clubs champions. Attention de ne pas tomber dans la facilité là côté guinéen. L'écart il est certes considérable mais c'est du basket et on sait que n'importe quel écart peut fondre comme neige au soleil. Il faut rester concentré, sérieux et appliqué. Pour les hommes de Paolo Povia. Remise en jeu. Marcus Gilbert, Maodongiram, Nisré Zouzoua. Défendu
par Nouy. Zouzoua qui se lève. Il n'est pas droit. Al Seniba. Oh là là. Quel guerrier. Ce n'est pas le plus grand des intérieurs, mais quel guerrier, Al Seniba. Et avec cette claquette, il consolide l'avance du Slack de Guinée. Sofiane Benmine, l'hésitation, il se rapproche, ça ne rentre pas. Il va ressortir Darib, qui à son tour va driver. Mais il est contré par Maodong Iran, sans même sauter, du haut de ses 2m10. Et regardez, c'est encore Al Seniba. Encore Al Seniba, qui cette fois-ci n'a pas la réussite. Mais quel guerrier, quel lutteur. Le type de joueur, en tout cas, que personnellement j'aime beaucoup. C'est peut-être pas un monstre technique, mais voilà, il a du cœur, il se bat, et n'importe quel coach aime ce type de joueur. Derrière, le tir à 3 points de Benmine qui va trash-talker Hurst. Bien, Hurst, il est devant. Plus 11. 3,25 à jouer. Gilbert. Giran. Ballon dans les mains de Hurst. Hurst défendu par Benmine. Hurst, le tir un peu forcé. Le rebond sera pour Diarra. La contre-attaque, Benmine. Benmine qui s'ouvre le chemin de l'arceau et qui va aller provoquer une nouvelle faute guinéenne. Sofiane Benmine qui, semble-t-il, sonne la révolte. Voilà, c'est lui qui inscrit ce tir longue distance. Et qui derrière va aller provoquer la faute d'Al Seniba. Premier lancer franc de Benmine en revanche, il est manqué. Sofiane Benmine sur la ligne de lancer. 1 sur 2. Allez, le FUS qui revient à un déficit de 10 points. Nisré Zouzoua qui va remonter le ballon pour le Slack. Nisré Zouzoua, voilà, qui replace ses coéquipiers, qui annonce. Je vous ai dit, hein, c'est un combo guard, capable de jouer arrière, capable de jouer meneur aussi. Et surtout capable de scorer. Nisré Zouzoua qui est en train d'énerver toute la défense. Dufus, 24 points pour Nisré Zouzoua. Yacine Bayri. Pardon, c'est Nouy qui va scorer pour Dufus Rabat. Et surtout le Slack qui a le mérite d'imposer son tempo à son adversaire. Ouais, le split là. Nisré Zouzoua qui n'est pas récompensé. Maodong Iran, le ballon qui va toucher les jambes de Prince Orizou. Retour en jeu de Badreddine Azouga. 10 points d'avance à 2 minutes 9 secondes de la fin du match en faveur du Slack. Gilbert qui court. Rebond Azouga et un ballon perdu tout seul par Sofiane Benmine. Ils n'y sont pas là, les joueurs du FUS. De la précipitation dans toutes leurs actions. Et pendant ce temps, Zaid Hurst qui va faire la remise en jeu. 20 points pour Hurst, 24 points pour Zouzoua. Ouais, très très bien fait le transfert de balle. Et la faute. Faute de Sofiane Benmine, même s'il n'est pas d'accord. Même si Saïd El Bouzidi n'est pas d'accord. Ouais, Sofiane Benmine qui bouche le passage sur le départ en dribble de Zaid Hurst. Correction, quatrième faute du 8. Et ça va être la quatrième faute pour Sofiane Benmine. Marcus Gilbert, 14 points. Zaid Hurst, 20 points. Nisré Zouzoua, 24 points. Et Al Seniba, hein, qui est pas loin du double digit, 9 points. Voilà, ce sont les guerriers, les Slack Warriors
de ce match. En revanche, cette possession était très 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 mal gérée. Et violation de l'horloge des 24 secondes. 1:32 à jouer. Et toujours plus 10 pour le Slack de Guinée. Benmine. Nui. Shepard. Benmine. Benmine sur le drive. Shepard à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond. Le rebond n'est pas contrôlé par Gilbert. Et ce sera un ballon pour les Marocains. Champion du Maroc qui ne voit pas le jour en tout cas dans ce match. Et le banc du Slack qui encourage. En tout cas, la victoire leur tend véritablement les bras là cet après-midi pour ce premier match de la troisième journée de la Road to BAL Elite 16 Division Ouest. Et encore une bonne défense des Guinéens. Voilà, ça, attention, ne pas perdre ce ballon Al-Siniba. Nisre Zouzoua qui va calmer tout ça. Zaid Hurst. Ils ont le temps, ils ont l'horloge pour eux. Voilà. Va falloir gérer chaque possession. La pocket pass pour Maodon Guéran qui perd le ballon. Remplacement. Alors, côté. Sortie du 3. Côté fut, c'est Zegloul qui va rentrer pour disputer les dernières secondes de ce match. Mohamed Anas. En tout cas, une victoire, une belle victoire du Slack. Hein. Qui pour l'instant, à quelques 30 secondes de la fin, mène de 10 points. Et qui va sûrement l'emporter. Même si Shepard ramène le score à 7 points d'avance pour le Slack. Voilà. Très très belle victoire. Très belle victoire des hommes de Paolo Povia dans ce match. Le Slack de Guinée qui va l'emporter 73 à 66 dans le sillage d'un très très grand, un très grand Nisre Zouzoua. Nisre Zouzoua, bien aidé par Zaid Hurst. Nisre Zouzoua, 24 points. Zaid Hurst, 20 points. Et les 14 points de Marcus Gilbert. Al-Seniba a apporté 9 points, mais surtout quelle énergie Al-Seniba. 6 rebonds Al-Seniba, mais beaucoup de ces choses qui ne sont pas quantifiables dans les stats. Et il a apporté beaucoup à cette équipe coachée par Paolo Povia. Côté marocain, soit ce match, ils n'ont pas voulu le jouer, soit ils ont été totalement outscorés par le Slack de Guinée. Très intéressant. Un seul joueur, deux joueurs en double digit, Ayoub Noui, 10 points, Yacine Bayeri, 10 points, et puis pas grand chose, mais on retient que voilà, le coach a fait le choix de ne pas faire jouer ses titulaires, sachant que son équipe, pour l'instant en tout cas, qualifiée avec ses deux victoires initiales, donc cette défaite n'entraîne pas de grosses conséquences pour le FUS Rabat, mais cette victoire du Slack lui permet de sortir la tête haute, et ce n'est pas rien pour le Slack d'avoir battu le champion de Guinée. Voilà, je vais vous rendre l'antenne sur ce score donc de 73 à 66 en faveur du Seydou Legacy Athletic Club dans ce premier match de la troisième journée de la Road to BAL Elite 16 Division West. À tout à l'heure pour le prochain match qui va opposer le BC Virunga de la RDC au Al Ahly de Benghazi de Libye. À tout de suite.
4-3. Bon. Et derrière, Zouzoua qui a le ballon.